Troc Vélo et Club VTT vous présentent une vidéo pour vous aider à choisir la bonne taille de VTT. Et justement, à ce sujet-là, il y a souvent une petite confusion sur les tailles. Petite vidéo pour vous apporter quelques précisions. Une taille de VTT s'exprime souvent, voire la plupart du temps, en pouces. Mais attention, un pouce est une mesure anglo-saxonne. Un pouce ou inch en anglais est égal à 2,54 cm. Et quand on parle de taille de VTT, on parle de pouces. Et c'est là qu'il y a un petit piège. Votre VTT est un 20 pouces en 29 pouces. Et oui, attention, il y a la mesure de la taille de votre cadre, c'est-à-dire la distance entre le centre du boîtier de pédalier et le haut du collier de tige de selle. Par exemple, chez la pierre, si cette mesure fait 50,8 cm, votre VTT est une taille L, c'est-à-dire 20 pouces. Mais il y a une seconde mesure qui compte également. Il s'agit du diamètre des roues de votre VTT. Et la plupart du temps, cette mesure de diamètre est exprimée également en pouces. Vos roues sont des 26 pouces, 27,5 pouces ou des 29 pouces. Vous l'avez compris, vous pouvez avoir un VTT en taille 20 pouces avec des roues de 29 pouces. Il s'agit de deux mesures distinctes, deux mesures différentes. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver le bon VTT à la bonne taille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur troc-vélo.com pour trouver le VTT d'occasion dont vous rêvez. Vous pouvez contacter le site Troc Vélo pour toutes vos questions. Voici l'adresse email du site Troc Vélo, contact@troc-vélo.com. Rendez-vous également sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter également par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré avec troc-vélo.com. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.